Sierra. Tango. Yankee. X-ray. Magnétophone sorti de nulle part, un accident de voiture, une rupture sentimentale. Un magnétophone sorti de nulle part, un accident de voiture, une rupture sentimentale. Souviens-toi. Dans quel ordre est-ce que ça a commencé? L'accident, en premier? Non, ça c'était après. D'abord la rupture, ouais. J'ai crié sur ma femme, ça je m'en souviens. Mais pour quelle raison? Fais un effort, souviens-toi. Tu étais chez toi, face à ta femme. Ouais. Tu lui as dit des mots que tu ne pensais pas. T'as pris ton manteau et tes clés, t'es monté en voiture et t'as roulé comme un forcené toute la nuit, sans savoir où aller. Souviens-toi! T'as toujours été solitaire. Ça, tu t'en souviens? Un solitaire lâche et nerveux, impulsif, prêt à s'emporter pour tout, à n'écouter personne, le premier à hurler et le dernier à entendre raison. Elle avait pas mérité que tu lui parles comme ça, mais c'est trop tard. Un virage trop serré, les roues qui crissent sur le bitume, la pluie, le silence. Précède le fracas et la tôle froissée et le monde à la renverse, parcouru d'éclats de verre, de morceaux de souvenirs, de lumière noire et de regrets blancs. Et après l'accident, souviens-toi, après l'accident, que s'est-il passé? Tu n'es pas mort. Miraculeusement indemne, sonné comme un boxeur abattu. Ton corps s'est glissé hors de la carcasse encore fumante et tu as rampé. Puis tu as marché. Et enfin tu as couru. Mais jusqu'où? Jusqu'au port. Jusqu'au bateau sur la côte. Un paquebot amarré au dock s'apprêtait à lever l'ancre. T'as pris un ticket et t'es monté sur la coursive. Comme un fugitif. Un criminel en fuite, désireux de disparaître. Là où personne ne connaît ton nom ou tes fautes. Là où personne ne songera même à te les demander. Voilà dans quel ordre c'est arrivé. C'est bien. Les détails te reviennent. Nu comme un mendiant. Sans valise pour t'alourdir, ni destination pour te contraindre. Te voilà seul sur un paquebot gigantesque dont tu ne sais à rien. Il te reste tes regrets. Mais de cela, tu apprendras à te défaire, tu verras. On oublie tout. Le temps est comme un feu qui dévore la mémoire. Crois-moi, tout ira bien. Ici, à bord, personne ne sait qu'après la dispute, tu as assassiné ta femme. Et qu'au fond, l'accident de voiture n'était rien d'autre qu'une tentative de suicide. Un geste vain pour parachever l'horreur de ta soirée. Non. Ils ignorent d'où vient le sang sous tes ongles et les poches noires sous tes yeux. D'ailleurs, qui chercherait à comprendre? Regarde-les. Regarde-les bien autour de toi. Ils sont comme ta femme. Tous des ennemis potentiels. Des égoïstes, perfides et sournois. Qui chercheront à te mettre en colère. Aucun n'est venu se présenter à toi. Aucun ne t'a salué. Tu vois bien qu'ils ne t'aiment pas, ici non plus. Mais tu es plus malin qu'eux. Beaucoup plus malin. Et leurs petites manigances ne prendront pas sur toi. Tu n'es à bord du bateau que depuis quoi? 3 jours? Mais tu as déjà remarqué, pas vrai? De petits détails, ici et là, visibles pour ceux qui savent voir. Tu as vu ce journaliste aller à gare l'autre soir? Tu l'as vu parler seul à son magnétophone, si tard dans la nuit, que le monde dormait déjà, mais pas toi. Il n'a pas remarqué ta présence lorsque tu l'as suivi sur la coursive. Et tu l'as vu ouvrir une écoutille et s'enfoncer dans la cale du bateau, pour n'en jamais ressortir. Qu'est-il advenu de lui? Que cherchait-il? Ce magnétophone qu'il transportait, ce même magnétophone, est apparu dans ta propre cabine il y a quelques minutes. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Apparu comme par magie,
posée là, sur ta couchette. Mais pourquoi l'as-tu allumée, Et pourquoi es-tu en train de t'enregistrer en ce moment? Oh, tout est mystère ici. Rien ne s'emboîte. Peut-être que personne n'est là par hasard. Peut-être qu'une chose se trame à bord, à laquelle tu devras prendre part. Y prendre part, oui. Car tu commettras d'autres meurtres ici. C'est une certitude. Ce sera peut-être le capitaine du bateau, Ta première proie. Cet homme qu'on aperçoit furtivement certains soirs sans pouvoir l'approcher. Patience. Ou peut-être cette femme à la casquette qui semble enquêter comme toi. Tu l'as vue. Une petite brune qui manigance quelque chose, qui traîne dans les coins sombres du bateau et s'éclipse quand tu l'observes trop longtemps. Elle t'a parlé l'autre jour. Elle t'a demandé d'où te venait cette affreuse cicatrice qui te barre le visage. Et tu lui as répondu avec un sourire aimable et des mots qui rassurent. C'est bien. Fais pareil avec les autres. Ne cherche pas à savoir où te conduira ce voyage, ni qui sont tous ces passagers. Sois un agneau parmi les agneaux. Patience. Maintenant, coupe ce magnétophone. Éteins la lumière et observe. Nous ne sommes qu'au début du voyage, Thomas.